Elle avait des pilules contre mon pouvoir. Mais non, c'est pas possible, elle n'a pas ton code génétique. Tu pourrais en être sûr comment? Tu aurais pas paniqué, toi, à ma place? Mais c'était du bluff. Hé, hey, tic et tac, ça sert à quoi, ça? À rien. Bon, ces pilules est un projet en stade expérimental. On peut encore arrêter si tu ne sens pas. Ouais, vas-y ma gueule, envoie la sauce. Allez, tiens bon ! Arrête la machine ! Bon, attends, faut la débarrasser du corps. Sarah ? Ouais. Comme prévu, hein, la feuille a tout raté. Tu es à côté du corps, là ? Ouais, ouais. Tu veux que je le scanne ? Ben, vas-y, ouais, envoie. Oh, merde ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a encore envie, ton gars, là. T'es sérieuse ? Qu'est-ce que je fais ? Je le tue ? Attends une petite seconde. On dirait que son hippocampe a été salement touché pendant son déblocage. Intéressant. Non, c'est bien ça. À part ça, il va bien, c'est la seule zone qui a morflé. On peut tourner ça à notre avantage. Je le ramène. Mince, mais c'est dingue ça. Bah ouais, je sais pas comment je fais. Mais tu peux pas perdre ne serait-ce qu'un petit peu? Non, je peux pas. Sophie? Regarde ça. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est signé Gamma au dos. Fais voir, attends. J'offre 1000 euros à quiconque arrivera à me battre à un jeu. Ça doit être son pouvoir. Rendez-vous le 12 à 10h, 305 rue des Jardins. Demandez Gamma ou Pierre. Pierre ? Pourquoi ? Gamma est avec lui ? Ça doit être le casque, ça brouille les idées. Gamma ne doit pas être très bien dans sa tête. En tout cas, cette ordure de Pierre a mis la main sur notre ami. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va le 12 ? Ouais, mais je sens le coup monter. Je pense que... Pierre ? C'est quoi ça? C'est un leurre. Ça, c'est un leurre. Ouais. Pourquoi? C'est quoi le plan? Le plan, c'est qu'on ne sait pas à quel point la mémoire de Gamma est altérée. Imagine qu'il se souvienne un peu de moi et que je le présente à quelqu'un. Il va trouver ça bizarre, peut-être louche, je ne sais pas trop. Je préfère plutôt que... qu'il rencontre quelqu'un, plutôt par hasard, alors que nous, on se connaît. Donc en fait, t'as besoin que je fasse semblant qu'on se connaît pas, en fait. Ouais. Ok, je donne 20 euros à tous ceux qui partiront tout de suite et qui me laissent passer devant eux. Allô, vous avez raison. Un mec vient d'arriver. Il peut pas en avoir pris. Bah, elle l'a fait. Elle a dû manger des tic-tac. Moi, j'en prends, hein, tu sais. Toi, c'est pas pareil, tu es un drogué. Quoi? Moi, un drogué? Valère. Quoi? Oh hey, on peut savoir ce qu'il prend, hein? À ton avis. Ah, tu as retrouvé la mémoire? Exact, ouais. Vous êtes bien foutus de ma gueule, tous les deux, là. Et surtout toi, là. Ça va, on peut en discuter. Ouais, on va discuter, mes couilles. Je retourne à la feuille, là où est ma place. Tu sais qu'on sera de nouveau ennemis. Ta gueule. Bon.
On fait quoi, du coup? On laisse partir. Si tu le poursuis, il prendra sa pointe jeu et il gagnera, quoi. C'est sûr. Ouais, mais... pas si on se protège. C'est ta dernière, hein. Je sais, mais... ça se tente, hein. Tu veux pas attendre 10 minutes que je copie la recette? Bah, il faut plus de 10 minutes pour copier la recette. Et en plus, tu y arriveras peut-être pas. Et si je le rattrape à temps, on n'aura pas besoin de la copier. Et si tu y arrives pas? En gros, c'est qui tout double. Alors, je fais quoi? Descends-le! Descends-le! Ok. Hey, Lucid Lee. T'oseras pas, mec. Je vais me gêner. Oh, l'avion de chasse! Hein? Merde! Sors de là! Non, je fais caca, dégage! Alors, on est bien comme ça, on est parti au parc, on a fait un petit tour, c'est bien. Non, mais il y a des gens, je vous jure, c'est n'importe quoi! Ta gueule! Enfin, monsieur, il y a des personnes ici avec vous. Ah, mais c'est pas moi! Ah, mais bien sûr, c'est pas moi. Bien sûr. C'est pas moi! Devant madame, en plus. Mais c'est pas moi! C'est pas moi! C'est fini, gamin. Je te parie que je peux sauter sans me blesser. Tricheur. À plus! Putain, ma jambe! Putain!